Alors voilà pour la position du corps, elle est aussi importante évidemment parce que c'est elle qui va nous donner l'axe du regard. Et le regard, on pourrait presque dire c'est le couteau suisse de l'orateur, c'est le couteau suisse de l'oratrice. Le regard il nous permet de faire plein de choses, mais déjà tout d'abord le regard c'est le projecteur de mon attention. Et tout à l'heure quand on regardait Lizzie, madame vous avez dit, elle adresse la parole, par quoi on adresse d'abord la parole, déjà c'est par le regard. Donc c'est un outil essentiel. Ensuite, c'est un outil, c'est un point d'appui, littéralement un point d'appui. Pour explorer ça, je vais gentiment vous demander de vous remettre debout si vous le pouvez. Et on va se transformer l'espace d'une minute en flamant rose. Vous savez, le flamant rose, les oiseaux, quand ils dorment, ils ferment les yeux et ils sont sur une patte. Donc on va fermer les yeux, l'espace d'un instant, et on va venir se mettre sur une jambe, essayant de lever une de nos deux jambes à angle droit. Alors faites attention parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile. Alors j'entends, on entend, n'est-ce pas, par le bruit que c'est difficile de tenir cette position. On va recommencer l'expérience cette fois-ci, on va être des flamants roses légèrement malades, on va dormir les yeux ouverts. Donc vous allez prendre un point d'appui en face de vous, ce que vous souhaitez, ça peut être un collègue, ça peut être un point sur le mur, la fenêtre, et on va se remettre comme ça, la jambe à angle droit, en gardant comme repère visuel ce point dans l'espace. Là, il y a un très beau silence, ce qui nous fait peut-être prendre conscience, c'est plus facile de tenir sur une jambe quand on a un point de repère. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le regard comme point d'appui? Oui, tout à fait. C'est aussi par le regard qu'on trouve sa stabilité. Les Anglais, ils ont ce mot pour décrire le charisme, ils ont le mot de gravitas. C'est intéressant. C'est aussi une notion de gravité, de poser, de stabilité, et notamment par le regard. Donc, quelque part, poser sa présence en public et partager avec l'auditoire et être présent, ça passe par des points fixes. Ces points fixes vont dépendre aussi de la disposition de la salle. Donc, le regard comme point d'appui. Et puis le regard, c'est aussi l'éclat du regard, la valeur du regard ou le sourire qu'on peut avoir juste dans le regard, d'autant plus avec un masque où on ne voit pas forcément les personnes sourire. C'est ce qui va aussi permettre d'établir ce lien de bienveillance, d'écoute avec l'auditoire, ce qui passe aussi par le regard. Et enfin, le regard, c'est le rail pour ma voix. Donc savoir placer son regard, l'utiliser, c'est aussi ce qui va me permettre de faire porter ma voix.